Alors bonjour, bienvenue à tous pour l'ouverture officielle de l'exposition Écran Total. Mon nom est Louise Pelletier, je suis la directrice du Centre de design de l'UQAM. J'aimerais commencer en soulignant que les terres sur lesquelles se trouve le Centre de design de l'UQAM font partie d'un territoire ancestral qui a longtemps servi de lieu de vie, de rencontres et d'échanges entre les peuples autochtones, notamment la notion Gonig-Nagawagé. Nous reconnaissons que ces nations n'ont jamais cédé leurs droits ni leur autorité souveraine sur les terres et les eaux sur lesquelles l'exposition dont il sera question aujourd'hui a été produite. Il y a 2 ans, quand deux de mes collègues de l'UQAM m'ont proposé une exposition sur la pratique photographique de Jean Baudrillard, le philosophe de la simulation, de la viralité et de nos rapports aux écrans, j'étais loin d'imaginer l'actualité troublante que prendrait un tel projet en temps de pandémie. D'autres collègues se sont jointes à la discussion et le projet a évolué de façon à mettre en conversation la pensée et la pratique de Baudrillard avec celle de 7 artistes établis et émergents. Nous avons le plaisir de présenter, dans le cadre de l'exposition Écran Total, les œuvres de Pénélope Umrico, Mishka Ener, Vassem Bhatti, Adam Bassenta, également Clint Hess, Charlie Doyon et Wan Ji. L'exposition, qui est physiquement accessible dès aujourd'hui, comprend 3 formes de médiation: les œuvres elles-mêmes dans la salle du Centre de design, leur représentation sur le web, et un entre-deux diffusé dans la salle, dans la cour intérieure du pavillon de design. Toute une série d'événements ont également été prévus pour discuter tour à tour de la pensée du philosophe sur nos rapports à l'écran et de l'impact de sa pratique et de sa pensée sur la pratique de différents artistes. Mais tout d'abord, je vous propose de donner la parole à 2 invités spéciaux. D'abord, le vice-recteur à la recherche, à la création et à la diffusion de l'UQAM prendra la parole. Et puis, l'une des commissaires va également nous adresser quelques mots. Leurs interventions seront suivies d'une table ronde d'honneur composée d'intimes comme de personnes proches de l'œuvre de Baudrillard. Cette table ronde d'honneur ouvrira officiellement l'exposition Écran Total et les activités scientifiques et créatives associées. Alors, j'inviterai d'abord le vice-recteur, Christian Agbogli, à prendre la parole. Merci, Madame Pelletier. Bonjour à toutes et à tous. Écoutez, je suis vraiment heureux d'être parmi vous virtuellement, par l'entremise de mon écran, bien sûr, pour le lancement de l'exposition Écran Total. Baudrillard était précurseur à différents niveaux et le rôle de l'écran pour cette exposition qui lui est consacrée prend tout son sens aujourd'hui. Je me réjouis que cet événement d'envergure, de recherche et de création multidisciplinaire soit le fruit de contributions de nos facultés de communication, des sciences humaines et des arts. En réunissant les recherches et les créations de ces facultés, vous serez à même de voir le résultat d'un projet qui met en valeur des œuvres que vous pourrez visiter sur les lieux du Centre de design, comme l'a mentionné la directrice tantôt. Quelle belle nouvelle que cette possibilité de visiter cette exposition, bien sûr virtuellement, mais aussi physiquement si c'est possible. Donc, nous sommes heureux de vous y retrouver. Cette exposition rassemble un grand nombre d'UQAMiennes et d'UQAMiens, de même que des créatrices et créateurs provenant d'universités au Québec et au Canada. Une dimension internationale caractérise aussi l'exposition grâce à la collaboration d'une vingtaine de participantes et de participants des 4 coins du monde. D'ailleurs, on peut mentionner Taipei, où actuellement il est minuit passé, Paris et j'en passe. Le caractère international d'Écran Total se déploiera également au pavillon virtuel de la Biennale d'architecture de Venise 2021, où une présentation remédiée de l'exposition se tiendra, en plus d'une partie des événements du symposium qui sera retransmise dès le 22 mai prochain. Alors, que nous soyons à Montréal, à Venise, à Tokyo ou ailleurs dans le monde, les écrans submergent notre quotidien depuis plus d'une année. On ne donnera pas les raisons
qui sous-tendent ce rôle central des écrans, mais nous nous sommes bien adaptés malgré nous. Je dirais même avec succès, car je dois le mentionner, ici même à l'UQAM, j'ai pu observer avec admiration les étudiantes et les étudiants, les enseignantes, les enseignants, les chercheuses, les chercheurs, qui ont poursuivi leurs activités avec beaucoup de persévérance, de résilience et de volonté. Toutes et tous ont mis de l'avant leur créativité et leur grande adaptabilité. Le philosophe Jean Baudrillard était alors bien clairvoyant, comme je l'ai mentionné tantôt, car il est l'initiateur de cette réflexion sur l'influence croissante du numérique et de l'inflation écranique, mais ce n'est pas son point d'arrivée. Les usages et viralité des écrans, les relations entre image et réalité étaient au cœur de la réflexion critique de Baudrillard. Comme communicologue, ayant lu Baudrillard lors de mes études doctorales notamment, je me souviens de ses interrogations critiques, voire cyniques, sur la société de consommation. Les commissaires ont voulu revisiter les théories, les concepts du philosophe en les adaptant à des réflexions plus actuelles autour du féminisme, des enjeux postcoloniaux et conscientes des bouleversements sociaux, politiques et écologiques actuels. Lors de votre visite de l'exposition, vous aurez l'occasion de voir les artistes, les œuvres des artistes sélectionnés, mises en dialogue avec les photographies et les idées de Jean Baudrillard. Pour ma part, j'ai beaucoup aimé ce jeu entre l'ombre et la lumière dans les photographies. Cette opposition présentée, je dirais plutôt sous forme de complémentarité, qu'on retrouve aussi entre l'exposition et le symposium. Je pense notamment à la table ronde du CELAT sur le numérique. Les interrogations sur ce que les écrans font de nous et ce que nous en faisons. Bref, cet événement intégré, vous verrez, est d'une actualité criante. J'en profite pour féliciter les commissaires de l'exposition, Amandine Alexandra, Marine Baudrillard, Caroline Lévesque et les deux professeurs de l'Université du Québec à Montréal, Katharina Niemeyer et Magali Hull. J'en profite pour remercier également la directrice du Centre de design, Louise Pelletier, pour son accueil chaleureux à cette proposition qui a été faite il y a 2 ans avant qu'un événement mondial se produise. Alors, bonne exposition et bon symposium à toutes et à tous. Merci. Un grand merci, Christian, pour cette allocution. Donc, comme le vice-recteur le mentionnait, le projet a été conçu, développé par une équipe très dynamique de 5 commissaires dont les expertises sont très complémentaires. Donc, d'abord, Katharina Niemeyer, qui est professeure à l'École des médias de l'UQAM et également directrice du CELA, le Centre de recherche culture, art et société. Théoricienne des médias, ses travaux de recherche portent sur les rapports entre médias et technologie, entre autres numérique, temporalité, mémoire et histoire. Magali Hull est professeure titulaire au département de sociologie de l'UQAM et membre chercheuse du CELAT. Ses recherches visent à cerner les transformations des sociétés par le prisme de la culture et de l'art contemporain. Amandine Alessandra est photographe, designer et professeure à l'École de design de l'UQAM. Sa recherche porte sur le corps comme interface dans la médiation du message et sur la manière dont l'outil numérique se pose en extension spatiale et temporelle de l'ici et maintenant. Carole Lévesque est professeure à l'École de design également, cofondatrice du Bureau d'études de pratiques indisciplinées, le BEPI, et membre chercheur au CELAD. Les questions en marge, les détournements, le croisement des méthodes sont au cœur de ces investigations. Et finalement, Marine Baudrillard est photographe. Elle fut directrice artistique du magazine Science et Avenir, de la section Nos spéciaux du Nouvel Observateur, du Renault Magazine et du Temps retrouvé. Elle est actuellement présidente de l'association
Cool Memories, fondé en 2009, peu après la disparition de son époux Jean Baudrillard. J'inviterai maintenant Katharina Neymayer à prendre la parole. Merci à Christian Agbobli et Louise Pelletier pour cette introduction. Merci au public d'être présent devant vos écrans et sur nos écrans de partout dans le monde. Les inscriptions sur Zoom permettent de voir au moins d'où viennent les connexions. Le Brésil, la France, l'Allemagne, le Cameroun, le Danemark, États-Unis, Colombie, Mexique et j'en passe. Je prends maintenant la parole au nom des 5 commissaires de l'exposition, Amandine Alessandra, Carole Lévesque et Magali Hull, mais aussi au nom de Marine Baudrillard qui est avec nous en direct de Paris. Nous remercions toute l'équipe du Centre de design, Victor Bernandon, Thibaut Vézina, et Michel Hébert et tous les autres pour leur travail intensif durant ces dernières semaines et notamment pour la patience concernant l'acrobatie de la pandémie qui a chamboulé beaucoup d'événements artistiques et culturels depuis 2020. Merci aussi à Louise Pelletier pour la confiance en ce projet et le soutien. L'idée a émergé fin 2018 lors d'une marche vers l'UQAM avec Magali Hull. Je ne sais plus comment on en est arrivé à parler de Jean Baudrillard, mais Magali disait « Ah, ça serait bien d'interroger l'omniprésence des écrans dans nos sociétés en lien avec la pensée et les photographies du philosophe. » À ce moment-là, elle ne savait pas que j'étais active dans l'association Cool Memories. Je me permets, il y a quelqu'un qui n'a pas fermé son micro, merci. À ce moment-là, elle ne savait pas que j'étais active dans l'association Cool Memories créée par Marine Baudrillard et je disais « Je pense que c'est une idée intéressante et permettra de recontextualiser la pensée du philosophe depuis l'arrivée du Web 2.0. Je peux la contacter et on verra. » Et voilà, 2 ans et demi plus tard, nous en sommes là. Écran total, titre de l'ouvrage de Jean Baudrillard de 1996 est devenu titre d'exposition grâce à Amandine Alessandra lors d'un lunch à l'automne 2019. Depuis, on travaillait en équipe pour déposer les demandes de subvention et pour penser l'exposition, son contenu, sa scénographie, chacune évidemment avec ses prédominances d'expertise, mais en échange constructif sur l'ensemble des éléments qui composent le tout. Finalement, c'est l'exposition qui nous a pensé dans un contexte inédit. Depuis mars 2020 et aujourd'hui, nos temporalités sont brisées. La vie quotidienne bouleversée, un grand nombre de systèmes de santé défaillants et un virus qui ébranle et a fait imploser la vie telle que se déroulait auparavant. Entre effondrements visibles et audibles, les implosions individuelles se font souvent en silence, en bulle, et les autres se rendent visibles. Perte d'emploi, distanciation, masque, implosion économique et sociale, creusant encore plus les inégalités préexistantes. Sur omniprésence des écrans, avant, mais surtout mise en exergue par la pandémie, presque toute expérience est devenue écran. On voit les écrans, on ne les voit plus. Ils implosent et simulent ce qui a été autrement avant. Écran total n'est pas une exposition sur Jean Baudrillard, mais une exposition qui pense avec la pensée de Jean Baudrillard et qui dépense et décompose de façon critique ses propositions philosophiques, notamment ceux de la viralité, de la simulation, de la surveillance et de l'implosion. Ces concepts sont mis en échange avec les 6 œuvres exposées, mais ce ne sont pas les concepts qui se sont greffés aux œuvres ou inversement, c'est le travail photographique de Jean Baudrillard qui devient le média, la matrice, qui permet de se situer entre ces concepts et les œuvres, et ce sont donc ces photographies qui font lien par leur couleur, structure, composition et matérialité. Pour une projection dans l'espace, les photographies se posent comme éléments d'un réseau viral dans l'exposition, surveillent les œuvres et se font surveiller. Elles simulent leur propre existence. En contact avec les écrans décomposés dans l'œuvre de Pénélope Ombrico, les corps pris en otage et pris en image par l'écran dans le travail de Charlie Doyon, l'automatisation de l'œuvre d'Adam Bazanta, qui nous fait tourner en rang, des images réelles d'implosion de catastrophes naturelles de Mishka Henner et Vazim Bhatti, les images vernaculaires hors contrôle de Flickr au début des années 2000, repensées par Clint Hens, ou encore la composition triadique de Chouanyé qui pousse le regard occidental vers une mise en œuvre algorithmique inhabituelle. L'exposition n'est pas sublime, elle ne cherche pas à plaire ou à déplaire. Ce n'est pas une documentation non plus. L'exposition nous met face à une possible implosion latente et quasi immanente de nous dans l'espace d'exposition et pose donc le doigt sensiblement sur le « nous » dans le monde et surtout « nous » dans le monde des écrans. Elle nous pousse à ne plus se laisser penser par les écrans, mais à quitter l'écran ou pour le moins, le regarder autrement. De croire dans l'horizon en dehors de l'écran.
ce que Jean Baudrillard aurait peut-être appelé la singularité. Si l'exposition amène de la singularité, c'est à vous de le découvrir et d'en décider. Mais l'expérience fut singulière dans tous les cas, et le tout n'aura pas pu se réaliser sans l'équipe de choc, de coordination, donc Ola Zibert et Zonia Trépanier, que nous remercions vivement, Martin Archambault pour le site web d'Écran Total, qui va s'enrichir au fur et à mesure des semaines en matière de contenu, Léona Nikolic et Michel Stewart pour les traductions du français vers l'anglais, et Serge Grandbois-Bernard et Jean-Philippe Côté pour le soutien technique, mais aussi le jury du concours des artistes émergents, Nathalie Bachand, Bénédicte Ramad, Orizia Zabaida, et toutes les personnes qui participent et interviennent dans le cadre du symposium ou encore comme auteurs dans la rubrique « Essais » du site web, sans oublier nos soutiens quotidiens administratifs et techniques à l'UQAM. Un merci spécial aux collègues aussi du CELAT et CRISIS. Mais je vais passer maintenant la parole à Louise Pelletier qui va clore justement cette première partie introductive et surtout mentionner l'ensemble des partenaires. Merci de votre attention. Nous sommes très contentes, les cinq commissaires, de vous avoir avec nous. Merci, Katharina. Voilà. Alors, merci. Donc, avant de terminer, je voudrais effectivement remercier tous nos partenaires. Évidemment, on a pu compter sur l'appui de plusieurs départements, facultés. Comme à l'habitude, l'École de design de l'UQAM, mais également l'École des médias, la Faculté des communications. En plus de ces partenaires institutionnels, je tiens à mentionner la contribution du Conseil de recherche en sciences humaines, le CRSH, également le CELAT, l'association Cool Memories, le Centre de recherche interuniversitaire sur la communication, l'information et la société CRISIS, la revue MAST, Media, Art, Study and Theory, et nos partenaires habituels MP Repro et V2Com. Avant de passer la parole à mes collègues pour la table ronde, je vous rappelle que l'exposition est accessible à partir de maintenant, donc physiquement dans la salle du Centre de design, et ce jusqu'au 17 juin. Et vous pouvez voir quelques images 360 qui vous donnent un avant-goût de ce que sera l'exposition. L'entrée est libre, mais en raison des contraintes imposées par la santé publique, vous devez réserver, donc vous devez vous inscrire à partir du site du Centre de design. Alors, je vais passer la parole à mes collègues Katharina Neymeyer et Magali Houl, et je vous souhaite une très bonne visite et je vous invite chaleureusement à venir visiter l'exposition et à suivre toutes nos activités qui vont avoir lieu en ligne plus tard cet après-midi à compter de 17h. Vous pourrez entendre trois des artistes, donc Penelope Umrico, Mish Kainer et Adam Basenta, vont s'entretenir au sujet des œuvres qui sont présentées au Centre de design et également sur le site d'Écran Total, vous y retrouverez tout le détail des différentes activités organisées en lien avec l'exposition. Alors, Magali, je te passe la parole. Merci beaucoup, Louise. Bonjour tout le monde. Bienvenue à cette table donc ronde d'honneur qui va ouvrir donc officiellement maintenant l'exposition et le symposium. Donc, pour un meilleur affichage, je propose donc à tous les intervenants, si ça vous intéresse, d'aller en haut de votre écran à droite et sur le mode affichage de choisir intervenant. Comme ça, vous verrez directement les panels. Ça vous permettra d'éviter le panneau de 90 personnes ou 100 personnes. Donc, comme l'a souligné Louise tout à l'heure, donc cette table ronde donc rassemble des personnes qui sont proches de Jean Baudrillard ou qui sont en proximité directe avec son œuvre théorique ou avec son approche photographique. Donc, nos invités vont tous partir de leur propre expérience, de leur propre expertise pour interroger les développements actuels des médias numériques
et la place aussi de la photographie dans des environnements qu'on sait de plus en plus virtuels. Ce dialogue, nous le souhaitons à la fois intime et réflexif aussi, mais c'est un dialogue qui est aussi très actuel, puisque elles et ils vont également interroger l'apport de l'inclassable univers de Jean Baudrillard au monde d'aujourd'hui, dans lequel les écrans, on le sait, sont plus que jamais, comme cela a été dit, au cœur de nos vies, au cœur de nos existences. Donc nous voici donc tous et toutes réunis au seuil de cet écran total que nous avons patiemment, vous l'avez bien compris, construit en ces temps de pandémie et que nous vous invitons maintenant dès à présent à franchir avec nous et avec nos invités. Donc ces invités, je vais maintenant les présenter. Je vais commencer par Marine Baudrillard. Louise l'a tout à l'heure présentée, donc je ne vais pas redire tout le parcours de Marine comme directrice artistique, comme photographe, comme épouse aussi de Jean Baudrillard, mais plutôt manifester tout mon plaisir de l'avoir avec nous aujourd'hui et la joie qu'elle nous a fait aussi d'accepter de rentrer dans cette belle aventure. Donc, merci beaucoup, Marine. Marine fera tout à l'heure une lecture de quelques extraits de textes de Jean, donc nous l'écouterons. La deuxième personne que je vais présenter maintenant un peu plus en avant, c'est Lin Shiming. Lin Shiming est professeure au département d'art et de design à l'Université nationale de Taipei à Taïwan. Il est un spécialiste international de la théorie des images, de l'esthétique et de la pensée française contemporaine. Il est également critique d'art et commissaire d'exposition. Il est actuellement président de l'Association internationale des critiques d'art de Taïwan et membre du comité directeur du Taiwan Art and Technology Association. Parmi ses nombreux ouvrages publiés, son dernier livre est consacré à la photographie. C'est donc très naturellement, je pense, qu'il développera son approche de ce médium en la croisant à la pratique de Jean Baudrillard. Luc Courchêne, maintenant. Il est professeur honoraire de la faculté d'aménagement de l'Université de Montréal et membre de l'Académie royale des arts du Canada. Il est un pionnier de la création numérique en Amérique du Nord. Ses œuvres ont obtenu de nombreuses récompenses prestigieuses, dont le prix du gouverneur général en 2021, donc très, très récemment. Elles font partie de grandes collections et ont fait l'objet de plus de 180 expositions à travers le monde. Luc est également membre fondateur de la Société des arts technologiques, la SAT, à Montréal, qui est un haut lieu de rencontre et d'exploration des mondes virtuels et des environnements immersifs. Donc c'est vraiment aussi un lieu pionnier à Montréal et vraiment dans le monde. Et c'est donc à tous ces titres que Luc nous parlera tout à l'heure de son travail artistique. Je continue avec Emmanuelle Fantin, qui est maîtresse de conférences au CELSA-Sorbonne Université et chercheuse au GRIPIC, c'est-à-dire le groupe de recherche interdisciplinaire sur les processus d'information et de communication. Ses travaux portent sur les médiations ordinaires, institutionnelles et marchandes de la mémoire et de l'histoire. Elle travaille actuellement sur les dispositifs d'exposition et de spectacularisation des animaux du 19e siècle à nos jours et nous a d'ailleurs fait une très belle conférence sur le sujet qui sera disponible sur le site Écran Total. Emmanuelle est en train de coécrire avec Bran Nicol une biographie intellectuelle de Jean Baudrillard en anglais. Elle participe aussi à l'élaboration d'un second ouvrage sur Baudrillard, mais en français, en collaboration avec Camille Zéen, que je présente donc pour finir. Camille Zéen, donc, est diplômée des Beaux-Arts de Paris-Cergy et docteur en sciences de l'information et de la communication de la Sorbonne. Elle est programmatrice au sein du collectif d'artistes Les Froufrous de Lilith et elle est aussi réalisatrice. Dans ses films, elle questionne le langage et le statut des images. Elle travaille actuellement à l'écriture d'un long métrage, Méditerranée Simulacre, et à un ouvrage sur Jean Baudrillard en collaboration avec Emmanuelle Fantin, dont j'imagine elle nous parlera certainement en regard de sa propre pratique donc, d'artiste. Donc, je vais céder maintenant la parole à Katharina. Nous allons co-animer toutes les deux en fait, cette table ronde, mais Katharina va lancer la première ronde de questions. Merci beaucoup, Magali. Pour cette première série des questions, en fait, c'était l'idée d'avoir vraiment une table ronde dynamique, donc pas des présentations de 20 minutes alignées les unes aux autres. Donc, on a préparé des questions à l'ensemble des participantes de cette table ronde. Puis la première question, en fait, ce n'est pas vraiment une question, mais plutôt une proposition à Marine de partager durant 5 minutes un moment avec Jean Baudrillard et la photographie. Ça serait... Le premier tour et l'honneur sera à Marine et on est très, très heureux, toutes et tous, de t'avoir avec nous aujourd'hui. Donc, je vous laisse ouvrir votre micro, s'il vous plaît.
Merci. C'est bon? Oui. Mourir n'est rien, écrivait Jean. Il faut savoir disparaître. Mourir relève du hasard biologique. Il ne faut pas laisser à la biologie la maîtrise de sa disparition. C'est pourquoi aujourd'hui, nous sommes réunis. Je ne suis toujours pas revenue d'être la femme de Jean. C'est magnifique, inépuisable. C'est une joie permanente. Sauf des petits passages étroits comme cette séance de Zoom. Mais je vous rassure, dans 10 minutes, c'est fini. J'ai donc, plutôt que de vous répondre à des questions sur Jean et moi et la photo, que je trouvais un petit peu ridicule, j'ai donc donné la parole à Jean. C'est tellement plus jouissif. Et j'ai trouvé un texte qu'il avait écrit quelques mois avant de mourir, d'ailleurs, pour un collectif de photographes tendance floue. Et il y avait d'assez belles choses, et je vous propose de lire ce texte. Après quoi, je vous présenterai une petite martingale qui dépasse la photographie et qui permet de vivre bien avec la philosophie de genre. On s'est mépris sur la photographie en la prenant soit pour un art au sens conventionnel du terme, soit pour une espèce d'instrument d'enregistrement. Ce qu'elle requiert, au contraire, c'est une pensée magique, une approche initiatique. Ne pas prendre le réel pour un fait accompli, mais plutôt à l'état naissant, c'est-à-dire encore ambivalent et n'ayant pas encore eu le temps de signifier. Cela écarte de la photo toute intervention directive, documentaire, idéologique, morale, esthétique. Tout cela est une violence faite à l'image, en même temps qu'une violence faite au monde tel qu'il est, au nom du monde tel qu'il devrait être. Bien sûr, ces considérations sont elles-mêmes une tentative d'interprétation, de donner du sens, et donc elles contredisent exactement ce qu'elles disent. Commenter des images qui ne veulent pas l'être est parfaitement inutile. Même contresens que de représenter ce qui ne veut pas être représenté. Il y a une sorte de philosophie derrière tout cela. Il y a l'intuition d'une mise au point impossible sur le réel, l'impossibilité de rendre compte du monde dans sa fluidité, son éphémérité, son inexactitude, et donc d'en être témoin et d'en porter témoignage. C'est le parti pris d'en saisir le mouvement, le mode d'apparition, dans une sorte d'anamorphose et d'improvisation. Les images diffèrent toutes les unes des autres, dans la plus grande liberté, mais à un tout autre niveau que celui du témoignage ou d'une histoire, elles convergent secrètement. De toute façon, il n'y aurait de réalité objective du monde que celle d'un monde où nous ne serions plus, d'un monde pur objet dont nous aurions disparu, et avec nous les apparences, car qu'aurait-on à faire des apparences dans un monde sans regard? La photographie n'a aucun sens si elle ne fait que refléter le désir photographique du sujet, et non le désir du monde lui-même d'être photographié, d'être vu, mais aussi de voir et de s'imposer au regard. Cette réciprocité est inscrite dans le médium, dans l'appareil lui-même, qui n'est jamais un pur opérateur technique, mais une invitation au monde à se produire en image. Si on n'éprouve pas cette réciprocité, alors la photo n'est qu'une technique vaine et unilatérale. C'est une opération délicate, car entre le sujet, l'objet et le médium, le jeu est subtil. Lequel prendra le dessus? Il y a le risque que l'objet l'emporte sous la forme du réalisme objectif, documentaire, reportage, et le risque opposé que ce soit le sujet qui l'emporte, en imprimant à l'image son style et son regard. On parle du style du photographe, de son travail. Mais il y a un autre risque encore, que ce soit le médium lui-même, la machine, qui impose sa loi,
ou son désir, si on peut parler de désir de la machine. On sait que la machine photographique, livrée à elle-même et à sa logique interne, ne tend qu'à une chose, aller au bout de ses possibilités. Autrement dit, fonctionner sans discontinuer, quelle que soit l'occasion, le scénario ou les acteurs. Épuiser son programme sans état d'âme, ce qui se fait évidemment aux dépens du sujet et de l'objet, devenu pur et simple opérateur technique de la volonté de l'appareil. Le numérique me semble illustrer ce risque d'une image sans fin, d'où cette réciprocité dont je parlais, d'un regard du monde sur nous et de notre regard sur lui, a totalement disparu. Dans ce sens, le numérique est la forme extrême du médium photographique, mais il en est du même coup la liquidation. Ces images innombrables ne sont pas faites pour être regardées, mais pour passer à côté du monde sans le voir. Si la photographie est, comme on l'a dit, une forme puissante d'aphrodisiaque, alors son usage numérique n'est qu'une forme exténuée de pornographie. Peut-être aussi la caméra est-elle un instrument de perversion, celle, pour les exilés de leur propre existence, de collectionner les détails de leur propre vie, afin que rien de ce qui a eu lieu ne soit perdu. Une forme désespérée de témoignage. Le désir de photographier est le contraire du désir de signifier à tout prix, de témoigner ou d'informer. Il est de l'ordre de la sidération et de l'illusion, de l'ordre de la disparition aussi. Car si quelque chose veut devenir image, ce n'est pas pour durer, c'est pour mieux disparaître. Le regard photographique, c'est-à-dire le regard de la lumière, se pose littéralement sur la surface des choses et illustre leur apparition sous forme de fragments et pour un laps de temps très bref. Photographier n'est pas rendre compte d'un monde objectif, c'est le faire devenir objet, le laisser s'imposer dans son immédiateté et sa discontinuité, dans sa nature ponctuelle, imprévisible et irréparable, selon une fatalité heureuse des apparences. Saisir les choses dans leur évidence pure est évidemment un rêve. L'obstacle principal est le sujet lui-même, sa volonté de représentation, sa volonté de signifier de force. Toute une morale de l'information et de la communication commande à la production et à la profusion actuelle des images. Mais ce n'est là que du visuel, dirait Serge Danet. La photographie, c'est autre chose. Il faut un certain détachement, une certaine désinvolture de l'objectif pour dégager sans forcer le profil d'apparition des choses. Ce n'est qu'en rendant à l'image sa singularité que le réel lui-même peut retrouver sa véritable image. Il faut, à travers l'image, arracher le réel à son principe de réalité. À travers l'image, les choses, tout en nous faisant signe, nous signifient qu'elles n'ont pas besoin de nous pour exister totalement, par leur forme, leur lumière, leur métamorphose. Au fond, l'image est bien la trace d'une expérience philosophique, celle de l'indifférence radicale du monde. C'est pourquoi elle est en affinité avec l'immobilité, le désert et le silence. La photo est toujours désertique en ce qu'elle est désertée par le sens. Une photo véritable n'est jamais loin du vide. Elle fait le vide autour d'elle. Elle crée un arrêt du monde sur image. Partout, elle doit faire exception, c'est-à-dire qu'il faut en user avec discrétion. Malheureusement, dans ce flux perpétuel, le pire pour nous aujourd'hui, c'est l'impossibilité d'un monde sans image, tel qu'il ne soit pas sans cesse ressaisi par le retour image, capté, filmé, photographié, avant même d'être vu. Ce qui nous guette au cœur de ce tourbillon, c'est tout simplement la disparition de l'image comme illusion, comme exception, comme scène primitive. De plus en plus d'images illustrent jusqu'à la nausée le même type d'événement. Elles se chevauchent, se succèdent, s'annulent les unes les autres. Elles n'ont même plus le temps de devenir images. Ce qu'elles perdent surtout dans cette histoire,
c'est leur liberté. Dans cette promiscuité du flux visuel, chacune prive l'autre de son espace. Or, il faut qu'une image soit libre et souveraine, et il faut que son aura en éclipse beaucoup d'autres, car il y a un duel des images entre elles. Si elles sont vivantes, elles suivent la loi des êtres vivants, sélection et élimination. Mais c'est exactement dans le sens inverse qu'on va aujourd'hui, singulièrement avec le numérique, où le défilé des images ressemble au séquençage du génome. C'est le règne de l'expressionnisme photographique face à un monde qui n'attendrait que d'être pris à témoin de l'existence du sujet et de son regard. C'est là une erreur totale. Même la prise de vue n'est pas essentielle à la vision photographique. Il y a, à chaque instant, de multiples scènes, lumières ou événements qu'on photographie mentalement, sans compter celles qu'on aurait rêvé de photographier. Si la caméra est une extension technique de l'œil, l'image photo, elle, doit être une extension symbolique du regard, c'est-à-dire non seulement une perception objective, mais une vision. Jean Baudrillard, mai 2006. Ça, c'était un petit texte que Jean avait écrit, donc, quelques mois avant de mourir. Mais est-ce que j'ai encore quelques minutes? Ah, oui, bien sûr. Alors voilà, ça c'est ma martingale. C'est dans le pacte de lucidité. C'est ce qui m'aide à vivre, c'est ce qui doit tous nous aider à vivre. Plus la vie quotidienne s'érode, se banalise, s'interactivise, plus il faut contrer ce mouvement par des règles du jeu complexes et initiatiques. Plus la réalité se réconcilie avec son concept dans une généralité sans objet, plus il faut rechercher la rupture initiatique et la puissance de l'illusion. Si nous ne pouvons pas faire du monde l'objet de nos désirs, nous pouvons du moins en faire l'objet d'une convention supérieure qui, justement, échappe à notre désir. Toute illusion, toute forme initiatique passe par une règle sévère. Il faut toujours recomposer le spectre, une œuvre, un objet, une architecture, une photo, mais aussi bien un événement. Ça doit être l'allégorie de quelque chose, un défi à quelqu'un, mettre en jeu le hasard et donner le vertige. Voilà, c'est ça la martingale de Jean. Et c'est ça aujourd'hui qui me rend si heureuse. Merci beaucoup Marine d'avoir parlé en duo. On te remercie vivement. Je ne vais pas commenter, je pense que le texte parle en soi à travers ta prise de parole. Et ça permet aussi, je vais juste chercher un livre, ça me permet de poser donc la seconde question à Chiming, qui est avec nous à Taipei, où c'est déjà le 20 mai, puis on est minuit passé à longtemps, il est 1h du matin, donc on te remercie encore quand même vivement d'être là, présent avec nous sur ton écran, devant ton écran. Et on avait posé la question suite à un très beau chapitre que tu avais écrit dans le livre de Nicolas Poirier, Baudrillard, cet attracteur intellectuel étrange, où tu as écrit un texte sur la photographie et en lien avec Jean Baudrillard. Et voilà, donc on voudrait t'entendre dans la continuité pendant quelques minutes de ce que vient de lire Marine sur en fait, ta lecture du philosophe en lien avec ta réflexion photographique. Et on t'écoute, Jimmy. Merci. Oui, je ne sais plus dire bonsoir ou bonjour. De toute façon, je vais déjà faire un peu de mise à jour de ma présentation, parce que c'était, on m'a présenté comme le président de Leica Taiwan. Je ne suis plus le président de Leica Taiwan, je suis plutôt le vice-président de Leica International, parce que je suis devenu le directeur du Musée national des beaux-arts de Taiwan, donc je devais quitter la fonction de cette association, mais j'ai déjà quitté la direction du musée. Mais pendant
pendant ces deux ans-là, quand j'étais directeur, on a construit un centre national de la photographie et des images. Et en lien avec mon approche sur la photographie et aussi un peu de lien avec Jean Baudrillard, je devrais dire. Donc, je parle de ça. Je suis retourné à l'université pour continuer continuer à enseigner comme professeur. Mais dans ce centre, on le nomme comme Centre national de la photographie et des images. Donc, la photo ne peut pas être séparée des autres pratiques des images aujourd'hui. Je pense que ça, c'est ça qui est important. On ne peut pas garder une idée trop nostalgique, trop, aller vers une photographie pure, ce n'est plus possible. Mais ce n'est pas très heureux comme conception. Pour moi, la photographie est toujours plurielle. Photo est un art, est une technologie, est un rituel. Et beaucoup de choses, est une industrie, est un support de souvenirs. C'est beaucoup de choses à la fois. Et revenir sur Jean Baudrillard, je pense qu'il est très singulier. Parce qu'il n'est pas seulement un philosophe, je pense radical, mais il est aussi du même photographe. C'est-à-dire qu'il a pratiqué la photographie, ça c'est rare. Et aussi sa photographie est singulière. Donc je pense qu'il est important d'étudier sa pensée, en même temps regarder ses photos. Je suis ici très heureux d'entendre Marine parce qu'on a travaillé ensemble. On a été commissaire, co-commissaire d'une exposition de photos de Jean à Taipei. C'était en 2014 et on a sélectionné 20 photos de Jean, de faire le tirage à Paris. Je pense que c'est important de faire le tirage avec les aides de Marine, parce que le tirage de photos de Jean est très délicat. Et c'est une photo qui a joué beaucoup sur la lumière, qui est très séduite par la lumière. Donc, comment de bien tirer, c'est très important pour la présentation. On a travaillé ensemble, on a sélectionné 20 photos de Jean et on a fait tirer à Paris, envoyé ensuite à Taipei et fait l'exposition à Taipei. Donc ça aussi, c'est quelque chose, je pense qu'il est important, c'est-à-dire Jean est un photographe, je ne dirais pas un artiste, mais un photographe penseur qui est singulier dans le monde de la photo, qui est singulier dans le monde de la pensée. Et on a divisé, on a fait trois. On a intitulé l'exposition Jean Baudrillard, photographie et mode basse. Parce qu'on a divisé l'exposition en trois sections. Donc, une section sur la séduction dans la lumière, donc dans laquelle on trouve son autoportrait. Je ne sais pas s'il est montré, il me semble qu'il a une photo qui est montrée dans l'exposition Écran Total. Et puis quelques images prises, je pense que c'est sur le balcon, hein. Regardons en bas de Sainte-Beuve, donc une photo proche de chez lui, et dans laquelle on trouve quelque chose, une sorte de photo un peu comme la peinture de Harper, non, Edward Harper. Et Jean Baudrillard a écrit des passages très intéressants sur lumière, mais je ne peux pas lire ici parce que le don ne me permet pas. Et puis il y a aussi une deuxième section, c'est sur la ville et objets. La pensée sur les objets, la pensée sur l'objet qui nous regarde est très importante. Donc, il a aussi beaucoup photographié les villes, surtout quand il voyage en Amérique. Donc, il y a une section sur villes et objets. Et finalement, il y a une section sur simulacres et mots de passe. C'est-à-dire, il y a une sorte, je dirais, intérêt ou fascination sur les simulacres qu'on peut trouver dans le un peu partout dans le monde. Et puis, quelque chose comme une sorte d'énigme.
quelque chose, on ne peut pas vraiment saisir le sens. Je crois qu'il y a dans le passage lu par Marine, surtout au début, sur cette partie-là. Donc, essentiellement, trois parties, la séduction de la vie, de la lumière, hein, ville et objet, et puis simulacre et mot de passe. Et maintenant, je suis sur une recherche des relations entre les écrits de Jean Baudrillard et sa pratique photographique. Et je pense qu'il n'est pas, il n'y a pas assez de temps pour détailler cette partie de recherche, mais je crois qu'il y a trois entrées importantes, c'est surtout à partir de ses écrits sur la photographie. Trois entrées, une entrée comme illusion, parce qu'il a écrit un très bon article intitulé car illusion n'est pas opposée de la réalité, c'est une forme plus délicate de la réalité. La deuxième entrée, c'est objet. Il a écrit aussi, c'est l'objet qui nous regarde. Je pense que c'est une partie très importante de sa pensée sur la photographie, et ça aussi, ça joue sur une sorte de réversion poétique. Il y a une sorte de matrice, matrice de la pensée et sa pratique très poétique de la photographie. Et l'idée de la réversibilité est très importante ici. La troisième entrée, c'est la disparition. Je pense que l'idée de la disparition joue beaucoup sur sa photo et sur sa pratique de la photographie et sur la compréhension de la relation entre sa pensée et la photographie. Je m'explique un petit peu là-dessus, c'est que la disparition, pour Jean Baudrillard, la photo n'est pas exactement, on a aussi entendu dans la lecture de Marine sur l'idée que la photographie n'est pas une technique d'enregistrement, il n'est pas simplement une technique d'expression subjective. La photographie, pour Jean Baudrillard, c'est une sorte d'exorcisme des modernes, de l'homme moderne. Et comment saisir cette idée? Je pense que l'idée de la disparition est très importante. OK. Donc, pourquoi? Parce que la photo, c'est une sorte d'enlèvement. La photo, c'est une sorte de dimension en moins. La photo, c'est fait disparaître tout ce qui n'est pas retenu, mais fait apparaître, bien sûr, un détail du monde. Ce détail pour Jean Baudrillard, même s'il est souvent considéré comme un nihiliste ou quelqu'un qui regarde le monde avec certaines attitudes très, très critiques, mais il a écrit quand le monde, quand on le regarde dans son ensemble, c'est très décevant, mais quand un détail est pris, il est souvent nous rendre ravissant. Il est souvent ravissant, c'est quand on regarde comme un détail est presque parfait. Je pense que là, il y a quelque chose de très important sur la partie poétique de sa pensée et de sa pratique photographique. Donc, je termine là-dessus et puis peut-être on peut discuter un peu plus après. Voilà. Merci beaucoup, Chiming. Merci aussi pour la petite entropie baudrillarienne dans l'arrière-fond. Ça rend cette dynamique. Puis je pense que sur la question de la disparition, on y reviendra très fort probablement tout à l'heure. Donc, merci beaucoup à toi et à tout de suite. On a aussi avec nous Luc Urchen. Magali l'a déjà présenté tout à l'heure. Donc, je ne vais pas reformuler toute la question de façon exacte. Et aussi, on a eu l'occasion d'en discuter il n'y a pas si longtemps que ça. C'était vraiment ce rapprochement dans vos créations, Luc, entre la question de la singularité et la viralité, donc deux concepts chez Baudrillard. Et puis voilà, dans vos dispositifs de création numérique notamment. Donc vous avez aussi un petit moment là pour revenir sur ces questions-là. Donc, c'est à vous. Merci. Merci. Je ne suis pas un héritier de Baudrillard, mais
il nous a beaucoup bouleversés quand mon professeur Bernard Scheele, alors qu'on était tout jeune étudiant design, nous a fait lire le système des objets à 20 ans. Et puis, on a été laissés à nous-mêmes. C'était formidable parce que quelle intelligence et surtout quel cadeau il nous a fait à cet âge-là de nous aider à voir au-delà des apparences. Et puis, nous, comme designers, on est des fabricants de choses, fabricants d'objets. Donc, c'était très important à cet âge-là de nous mettre sur cette piste qui ne m'a pas abandonné, en fait, jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, moi, j'ai évolué un peu comme un artiste du numérique. Et donc, j'imagine que les choses, que l'art numérique, au fond, ou la culture numérique poserait beaucoup de problèmes à Jean Potrillard. Par exemple, cette inflation des mots pour décrire la réalité virtuelle, la réalité augmentée, la réalité mixte, la réalité médiée, la réalité étendue. Il y a même un collègue de Toronto qui parle de réalité diminuée. Enfin, on invente ces réalités. Mais en fait, ce vocabulaire décrit plus des technologies d'expérience que des réalités. Pour me réconcilier avec tout ça, personnellement, j'ai trouvé que William James, psychologue du début du 20e siècle, avait tout simplement dit « la réalité, c'est l'expérience. C'est ce dont on fait l'expérience. » Donc, dans un avec comme ça, il n'y a pas des réalités, il y a une réalité. Mais là, avec Baudrillard, on réalise que la réalité n'existe pas, en fait, ou qu'elle est extrêmement suspecte et qu'il faut savoir s'en méfier, en fait. Mais se méfier pas de la réalité, mais de l'idée qu'on se fait de la réalité. Alors, je pense que Baudrillard observerait probablement que ces technologies exposent de plus en plus nos vulnérabilités face à des machines à créer du sens et de la cohérence. Et moi, je serais d'accord avec lui. Elle masquerait notre effroi devant la vérité toute nue, c'est-à-dire que la vie n'a pas de sens et que nous ne sommes rien. Ceci dit, moi, je regarde, Marine, j'imagine le bonheur, la joie qu'il y a dû avoir entre vous, entre vos intelligences, vos sensibilités, dans ce monde plein de surprises, où, comme disait... notre collègue tout à l'heure, malgré le fait que Baudrillard était un nihiliste, il a quand même il s'est laissé séduire par la vie, par les choses, par l'émergence des événements. Enfin, c'est ce que je crois percevoir. Donc, je vais partager mon écran, si ça fonctionne. Je pense que oui. Ça devrait, oui. Je vais conduire à travers mon parcours. J'ai intitulé ma présentation « L'être au monde », parce que c'est de cette manière que je peux mieux connecter avec l'inspiration que nous propose le thème d'aujourd'hui, « Écran total » autour de Jean Baudrillard. Alors, voici ce que j'ai vu de ma fenêtre. Le 11 septembre 2001, et puis, comme le disait Marine et puis plus tard Shiming, c'est le monde qui s'impose à nous. J'étais cette journée-là avec une caméra sur la rue, au moment où c'est arrivé, pas sur la rue, mais dans un appartement au moment où c'est arrivé. Et puis, j'ai été obligé, au fond, porté à, parce que c'était possible, parce que c'était à ma disposition, invité à tourner cette chose-là, à en faire des images que vous avez peut-être vues. Mais ces images-là, en fait, sont intéressantes parce que c'est un accident dans ma vie. C'est quelque chose que j'aurais préféré peut-être ne pas avoir fait, ne pas avoir vu, mais elles se sont imposées à moi. Et puis, ça veut dire qu'on peut dire que la réalité n'existe pas ou qu'il faut s'en méfier, mais pourtant, nous sommes là. Nous sommes là, nous sommes dans le monde. Et ces choses-là sont des moments de singularité. On a l'impression, pas juste moi avec ma caméra sur la rue cette journée-là, mais tout le monde au monde qui était vivant cette journée-là a l'impression qu'on a vécu une singularité, c'est-à-dire que il n'y avait pas d'image, il n'y avait pas de mots, pas de sens à ce qu'on vivait, tout le monde, peu importe où on était.
et qu'on peut dire qu'il y a eu avant et après. Et puis là, on est dans l'après, mais on n'a pas fini d'essayer de digérer cette chose-là. Et c'est peut-être la bonne nouvelle pour Baudrillard, c'est qu'on n'a pas encore tout à fait habillé cet événement-là de sens tellement il n'en a pas. Ou s'il en a, en fait, il a le sens qu'on veut bien lui donner pour des enjeux politiques ou des agendas qui ne sont pas nécessairement dans l'intérêt de tout le monde. Alors, pour parler de mon rapport à l'image, Baudrillard se disait capteur d'image pour faire apparaître le véritable surgissement dans une convention de la réalité qui cache, selon lui, l'essentiel. Ma pratique photographique, à moi, est un peu du même ordre, mais au lieu de me qualifier comme un capteur d'image, je me qualifierais plutôt comme un moissonneur de lumière et d'ombre, parce que nous sommes des êtres photosensibles. On vit au rythme du soleil, on dort la nuit en général, on est éveillé le matin en général. Et donc, c'est ça, c'est la lumière, en fait, et je pense que Baudrillard était d'accord avec moi, qui nous motive et qui essentiellement est ce qu'on capte quand on fait de la photographie. Alors, comme moissonneur de lumière, au-delà des scènes plus ou moins spectaculaires ou banales que nous offre l'existence, ce que je cherche à faire, en fait, c'est de me connecter aux choses, à y détecter ce qui pourrait faire œuvre, à capter, mettre en jeu, en image et en dispositif d'expérience, des mécanismes qui pourraient créer de la singularité. Pour moi, faire œuvre, ce serait ma relation avec la singularité avec la lunette de Baudrillard, ce serait de dire faire œuvre, c'est faire un détournement de sens, en fait. C'est de prendre des choses, les mettre ensemble pour créer un nouveau sens. Mais j'aime bien que le sens qu'on crée se dénonce par le dispositif qui l'a mis en jeu et en scène. Il ne faut pas cacher ces mécanismes, il faut au contraire les révéler. Alors, voilà. Cette image, c'est une image qui explique un peu mon rapport à la récolte de lumière, si on veut. Un voyage au Groenland en voilier que j'ai fait avec quatre autres copains à l'été 1981. Et c'était plus ou moins un safari d'iceberg qui a duré 2 mois. Donc, on voyait quelque chose à l'horizon, on s'approchait, on le photographiait et puis on continuait. Et après 2 mois, mais je n'ai pas vu ces images, on a vu les choses, on a vu l'horizon, on a vu la lumière sur 24 heures, on a vu la météo qui était plus ou moins favorable ou défavorable. Mais c'est au retour qu'à l'époque, on était en argentique, quand mes diapositives ont été développées, que j'ai vu ces images, que j'ai réalisé j'avais pas vu ces choses-là. Ce que les images révélaient était beaucoup plus spectaculaire que ce que j'avais vu. Parce qu'un iceberg, on le voit de très, très loin, il est petit, on s'approche, on s'habitue à son échelle, on arrive, il est tel qu'il est, on le photographie, mais c'est en voyant l'image qu'on réalise le côté inouï de ces formes. Alors, excusez-moi, ici, je vais essayer d'avancer. Oui, voilà. Alors, la suite à ce voyage, je me suis retrouvé retourné aux études aux États-Unis à ce moment-là. Et puis, je me suis dit, qu'est-ce que je peux apprendre, comprendre, en fait, de ce rapport à la lumière? J'ai fait ce costume qui s'appelle le Lightproof Suit. C'est un habit à l'épreuve de la lumière qu'on peut vêtir ou revêtir. Alors, c'était fait pour une performance. Et la chose intéressante, c'est que pour moi, c'était dans une surexposition à la lumière, on se protège, donc on se vêtit. Et à mesure que la lumière diminue, on peut commencer à se dévêtir. Mais vous remarquerez que l'entrée dans ce protecteur se fait un peu comme une naissance, au fond. On en sort par une ouverture qui serait une sorte oui, c'est ça, une ouverture extraordinaire qui permet d'entrer et de sortir du soi. Alors, c'est comme si j'avais revécu ma propre naissance. Et puis, dans ce sens-là, le côté essentiel de la façon dont je vois mon rôle comme artiste du numérique, c'est-à-dire d'un créateur-chercheur qui essaie de comprendre le monde
dans quelle idée et surtout sa place là-dedans, ça passe par une sorte d'une renaissance qui m'est arrivée à ce moment-là, en 1982. Bon, du costume, on a fait j'ai fait un petit dôme. Ce petit dôme à la SAT est devenu un prototype sur lequel on a développé des techniques de maillage et de tuilage qui ont abouti au dôme que vous connaissez peut-être pour ceux qui l'ont vu à Montréal depuis 2010, au moment où il a été construit, et qui sert à présenter des espaces qui nous invitent à l'intérieur des choses. Donc, on n'est plus devant une photographie rectangulaire du monde, on est à l'intérieur des choses. Mais ce qui est intéressant ici, c'est que ce que j'y présente, en fait, ce sont des images plates, des images rectangulaires, mais qui sont déployées dans un espace immersif dans lequel on peut se déplacer, à travers lequel on peut passer. Et donc, plutôt que d'aller vers la création 3D, je suis resté attaché à l'image photographique ou graphique, en fait, pour construire ces espaces 3D dans lesquels on peut pénétrer. Alors, ce qu'on voit ici, c'est le livre de Marshall McLuhan qui s'appelle « The Medium is the Massage ». Et puis, ce livre, en fait, on a simplement photographié les pages et on l'a déployé dans un espace dans lequel on pouvait l'aborder différemment que simplement en tournant les pages. Donc, ça donnait une autre vie, une autre expérience du livre, mais avec des textures photographiques. Cette autre œuvre est la même idée d'immersion, au fond. C'est un peu comme si nous, comme artistes, on avait aujourd'hui le moyen de prendre les panoramas du 19e siècle, ceux qui ont fasciné, bien avant le cinéma, les Européens, qui les ont amenés à l'intérieur d'une expérience visuelle. C'est de faire des panoramas animés, c'est-à-dire des espaces dans lesquels on peut pénétrer, mais qui ne sont pas des espaces fermés, qui sont ouverts dans toutes les directions et dans lesquels on peut vivre des choses. Alors ici, moi, dans ces espaces ouverts dans toutes les directions, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est le rapport à l'humain. Donc, l'idée de se rencontrer là-dedans, c'est de créer une expérience sublime ou en tout cas dérangeante, inquiétante, dans laquelle on pouvait essayer de comprendre au fond où on était. Alors, c'est une œuvre qui s'appelle « T'es où ?» et dans laquelle, à un moment donné, on pouvait faire sa propre rencontre. Mais avant ça, là, on était en 2007, mais en 90, j'ai travaillé avec une amie qui s'appelle Paul Ducharme sur la création d'un portrait interactif, un peu comme si on pouvait avoir une conversation avec un tableau comme la Mona Lisa. Et donc, ça a donné une sorte d'œuvre qui... je vais couper le son ici, une œuvre conversationnelle où le mécanisme est exposé, c'est-à-dire les questions qu'on peut poser sont choisies parmi une liste imposée de 2, 3 ou 4, c'est ridicule, mais ça fonctionne, et les réponses sont préenregistrées. Mais on réussissait à créer l'impression qu'on était en relation avec une personne tout en exposant le mécanisme de la relation. Donc, ça montrait au fond l'importance pour nous des relations humaines, de la conversation. Et puis pour moi, un autre élément de singularité, je trouve, qui aurait peut-être intéressé Baudrillard, c'est cette importance des rencontres dans nos vies. Les rencontres peuvent être fondamentales. Une rencontre fortuite d'une personne peut changer notre vie, peut nous amener quelque part, peut créer toutes sortes de situations. En passant, ici, c'est le site web que je garde à jour, dans lequel vous pouvez trouver un lien vers ce portrait qui est en ligne et donc disponible. Donc, ces rencontres qui sont essentielles, qui sont des éléments où on crée de la singularité, au fond, et qui sont là où on commence. Peut-être on pourrait aborder avec ça le concept de viralité. C'est-à-dire, c'est là qu'on commence à construire les mèmes ou les conventions qui vont entourer une rencontre, une famille, un noyau humain, une société, une époque, une civilisation, qui sont des récits, au fond, communs qu'on se donne pour pouvoir fonctionner comme un groupe, non pas comme des individus, mais comme un groupe. Alors, ce projet Rendez-vous sur le grand public, c'est une idée de Monique Savoie,
qui était un des premiers projets de recherche de la SAP. Monique Savoie regardait mes portraits interactifs où tout était, où il n'y avait pas d'intelligence, en fait, simplement l'intelligence du scénariste qui imagine les questions et les réponses. Elle disait, pourquoi on ne mettrait pas en scène les gens eux-mêmes? Et donc, ce dispositif qui s'appelle Rendez-vous sur les bancs publics a été créé à la SAP en 1999 pour connecter deux villes pendant 2 mois, Montréal et Québec, 24 heures par jour, 7 jours par semaine. Alors, ça a donné toutes sortes d'échanges très intéressants, comme celui-ci, par exemple, où des jeunes filles demandent à ce jeune homme quel âge il a. Et là, ici, vous remarquerez que c'est un écran avec une projection, la caméra est au centre, mais là, pour prouver son âge, il va devoir négocier avec le dispositif pour savoir où placer sa carte de façon à ce qu'elle puisse, l'avoir. Donc, encore là, de la même façon que le portrait numéro 1 était un dispositif de rencontre qui exposait la mécanique de base de la conversation, celui-ci est un autre dispositif de rencontre en direct, celui-là, qui expose les limites de cette médiation où on travaille avec des écrans, des caméras, des micros, des enceintes acoustiques, mais malgré tout. Luc, je me suis permise de te muter, je m'excuse, donc j'utilise mon pouvoir de surveillance baudrillardienne. Il faudrait conclure pour qu'on puisse échanger. On n'a pas encore entendu Emmanuel Fantin, quand mise à haine, il y aura le public. Voilà, merci. Je t'ai texté, mais ça ne marchait pas. Là, tu es muté, donc il faut que tu enlèves, que tu reviennes pour conclure. Merci. Donc, j'ai été ramené à l'ordre. Je m'excuse de prendre trop de temps. Alors, je m'arrête là. Et puis, ceux qui me connaissent savent comment me retrouver. Puis, on va laisser de la place aux questions et aux interventions des autres. Voilà. Oui, désolée, hein. C'est jamais agréable, mais j'ai essayé par tous les moyens. Voilà, donc il y a aussi Emmanuel Fantin que vous voyez au milieu sur l'écran qui apparaît avec nous, avec Camille Zéen, et toutes les deux ont aussi préparé une réflexion en lien avec le vernissage d'aujourd'hui, donc je vous donne la parole tout de suite. Merci. Merci. Alors, théoriquement, on va être rapide. On n'a pas posé les questions auxquelles on a répondu, mais c'est pas grave. Du coup, on va répondre à des questions qu'on n'a pas tout à fait posées. Mais c'est parfait parce que ça amène l'introduction que la première phrase qui était concernant l'influence qu'a pu avoir Jean Baudrillard sur nos travaux respectifs. Je dirais que l'altérité radicale qui lui est chère, c'est justement de ne pas tout rendre communicable sous forme d'un savoir totémique, donc ça tombe bien. Et du coup, je dirais que pour juste introduire un peu, je pense, le point de départ du projet d'ouvrage qu'on a ensemble avec Emmanuel, c'est cette idée que le concept de séduction chez Baudrillard m'évoque à moi le tâtonnement. Et pour donner une espèce de représentation de ce tâtonnement, ce serait la posture d'un Jacques Tati dans Playtime qui va tâter un fauteuil flambant neuf avec sa canne avant de prendre le risque en s'y asseyant de s'y enfoncer, voire de disparaître dans ce fauteuil. Et du coup, je me disais en termes d'influence et par rapport à la question de comment est-ce qu'on peut se réapproprier la pensée et le travail de Baudrillard, je dirais c'est en étant un tâtonneur comme une personne irrésolue. Et je crois qu'être irrésolu, c'est le premier rempart face à l'évidence crue de la virtualité et une manière de retrouver un peu de séduction et d'altérité radicale. Donc, qui peut se réapproprier la pensée de Baudrillard? Bon, je ne sais pas si on entend qu'il y a des hélicoptères qui passent. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est assez hallucinant. Ouais, parce qu'il y a un héliport en face de nous. Voilà. Donc, du coup, qui peut se réapproprier la pensée de Baudrillard? Ce seraient les tâtonneurs de l'art et les collectionneurs d'anomalies qui seraient des performateurs indiciels de la pensée baudrillardienne. Voilà, c'est un peu ce que je voulais dire en premier temps de notre projet. Alors, cette idée de collectionner les anomalies en déjouant les totems, c'est un peu ce qui nous réunit depuis plusieurs années avec Camille, d'une manière générale, et ensuite ce qui nous a réunis plus spécifiquement pour travailler la pensée de Jean Baudrillard dans nos recherches. Et c'est comme ça qu'on s'est retrouvés à écrire une fiction philosophique autour de son œuvre qui devrait paraître, ça y est, c'est sûr, enfin l'année prochaine. Et donc, c'est de ça qu'on avait envie de parler. En fait, on s'est demandé s'il était possible de développer une lecture existentielle de son œuvre, c'est-à-dire vraiment comment vivre sa pensée
avec la pensée de Jean Baudrillard, et du coup cette phrase est encore plus drôle à prononcer que Marine Baudrillard est à nos côtés, c'est-à-dire dans un univers où le réel, et là je le cite, dans un univers où le réel n'a plus l'occasion de se produire et que de toute manière ce sont le monde et ses objets, on l'a déjà un petit peu dit, qui nous contemplent et qui nous pensent. On a essayé de mêler le biographique au philosophique, l'intime au conceptuel, et de produire une introduction à l'œuvre de ce penseur inclassable en semant la zizanie, donc c'est quelque chose qu'on essaie de faire aussi beaucoup dans nos pratiques, dans les pratiques artistiques de Camille et dans nos pratiques de recherche commune, mais ce n'est pas une mince affaire dans le monde académique de semer la zizanie à la manière dont Jean Baudrillard aurait pu le faire. Bref, fin de la parenthèse, une zizanie aussi sérieuse que carnavalesque. Autrement dit, on a essayé d'imaginer quelque chose, une œuvre qui pourrait parler de Baudrillard sans être trop académique et en même temps qui mêlerait le propédeutique à l'existentiel. On s'est donc inspiré de ses œuvres pour essayer de démontrer qu'il était possible, peut-être, en autre phrase amusante à prononcer à côté de Marine Baudrillard, qu'il était possible de parcourir sa propre existence en jouant à saute-mouton avec le destin, l'hyper-réalité, l'obscène, le simulacre, etc. et bien d'autres concepts qu'il a pu développer. Voilà, à moins que ce soit l'inverse, puisqu'il y a toujours une réversibilité poétique des événements et des propositions. Mais en tout cas, ce qu'on essaye de penser en général, et parce que comment est-ce qu'on peut se réapproprier la pensée de Jean Baudrillard aujourd'hui dans nos travaux, c'est comment est-ce qu'on peut engager de la signification de manière ludique, parce qu'on s'est dit qu'il y avait une dimension extrêmement ludique en fait dans toutes les approches qu'il a pu avoir. Et que c'est vraiment une pensée qui permet cela, peut-être dans sa bordure entre, on peut dire, de l'académisme et un délire, mais au sens extrêmement positif du terme délire. Et poétique. Et poétique. Et du coup, l'ambition qu'on a eue dans notre ouvrage qu'on présente, enfin, mais qui est juste une manière de présenter aussi la manière dont on peut se ressaisir de sa pensée, enfin, une sorte de chemin, comme ça, de traverse, c'est comment est-ce qu'on peut mener son existence, donc avec une vision presque ésotérique, en lisant Baudrillard moraliste, mais au sens et gratien. Pataphysicien. Et pataphysicien, voilà. Donc, du coup, notre enjeu, ça a été en fait de se dire comment est-ce qu'on fait ça, comment est-ce qu'on organise ça, et on s'est dit l'ouvrage s'appelle Le livre dont Jean Baudrillard est le héros, et en fait comme disait Emmanuel, en fait on l'a construit comme une sorte de fiction philosophique mais interactive et théorique. Et, au sein de laquelle le réel n'apparaît plus que comme un grand corps inutile. Bon, ça, c'est une citation de lui. Et en gros, ce qu'on s'est dit, c'est comment est-ce qu'on peut travailler cette pensée et amener une dimension ludique à la pensée de Baudrillard et être en même temps avec lui et jouer et fictionnaliser. Et on s'est dit que le dispositif des ouvrages, le livre dont vous êtes le héros, était une manière intéressante de se ressaisir de ça. Et donc, on a projeté cela. C'est-à-dire qu'on a fait en fait un livre dont vous êtes le héros, composé de parties fictionnelles et de citations de Jean Baudrillard, avec un espèce de cheminement où soit vous êtes Jean Baudrillard, soit vous êtes le double de Jean Baudrillard, et vous suivez les parcours de l'un et l'autre et dans ses citations et dans sa pensée. Et avec cette idée en fait de parcourir un peu l'existence de Baudrillard et son double, et une espèce de méta-regard. Avec une espèce de pensée sous-jacente de en quoi est-il amoraliste et pourquoi est-ce que on peut vivre sa vie avec Baudrillard. Et voilà, après je te donne la parole. Du coup, j'ai sauté vachement de trucs aussi. Mais... D'accord. Alors, simplement pour vous dire, parce que du coup, là, on va passer à autre chose. C'est notre côté, on dit qu'on sème la zizanie. En même temps, je me rends compte qu'on sème la zizanie et qu'on est très sérieuse, puisqu'on avait quand même essayé de répondre aux questions qui nous avaient été envoyées. Du coup, je dis ça parce qu'il n'y a pas vraiment de transition. Katharina nous avait dit... Vas-y, Emmanuel, vas-y. Ouais. Lance les coulisses. Non, mais tu nous avais dit que ça pouvait être intéressant de répondre de voir si dans nos pratiques, d'une part dans nos pratiques, et par ailleurs, tu nous avais dit, est-ce qu'on peut voir des traces, des indices, des réappropriations de sa pensée dans la culture numérique aujourd'hui et sous quelle forme ? Et on a trouvé cette question intéressante, c'est pour ça qu'on s'en est saisi aussi immédiatement. Donc, on avait aussi préparé quelque chose à ce propos-là.
Et on avait un tas de choses à en dire qu'on a essayé de réduire. Et on essayait de dire que quand on connaît l'œuvre de Baudrillard, effectivement, cette question paraît particulièrement judicieuse. Et c'est vrai qu'on l'a vu aussi dans les interventions des autres participants à la table ronde juste avant. C'est-à-dire que c'est difficile, de, pour le dire très clairement, de ne pas lire Baudrillard quand on connaît bien son œuvre absolument partout, tout le temps, quand on observe la culture numérique contemporaine. Ou plus exactement, on voit la pensée de Baudrillard se développer un peu comme une file pellicule devant chacune, chaque nouvelle pierre qui est ajoutée presque chaque jour maintenant, surtout depuis un an, au continent numérique que sont devenues nos vies. Et pas juste, évidemment, ça aussi vous l'avez dit, en se référant à Écran Total, mais à bien d'autres ouvrages et textes de son œuvre qui une fois de plus pensent le monde avant qu'il ne se soit produit, mais on y reviendra aussi un petit peu. C'est aussi pour ça qu'on se disait qu'il faudrait relire Baudrillard de temps à autre et jamais considérer finalement que ses livres sont clos. Au contraire, ses livres sont peut-être un peu comme des bons vins, pardonnez-nous la métaphore, c'est-à-dire que des nouvelles saveurs apparaissent avec le temps, à mesure que de nouvelles pratiques ou de nouvelles technologies apparaissent. Et d'ailleurs, il disait à propos de ses livres dans une interview qu'on a pu retrouver, « Mes livres sont comme des scénarios », ce qui est assez intéressant. Du point de vue fictionnel, encore une fois, la manière dont pensée académique, philosophique et fiction peuvent se rejoindre. Mais on se disait aussi, un petit peu en tant que contrepoint, que c'est presque limitant de s'intéresser à Baudrillard pour nous aider à comprendre le numérique dans le sens où sa pensée n'en était évidemment pas dupe. Elle ne s'y borne pas, pas plus qu'elle ne se renvoie exclusivement à la technologie et les médias. Et peut-être qu'il en parlerait d'ailleurs aujourd'hui, on ne sait pas. D'une autre manière, lui qui était si radical, comme il a pu le dire lui-même. Il y a quelque chose de profondément poétique, presque ésotérique dans ses questionnements, notamment à propos de la réalité. Luc Courchêne en a parlé un tout petit peu avant. Et du coup, on avait envie d'ouvrir cette question du numérique autour de la question plus large et bien plus vaste de la réalité, et se dire finalement, quand Baudrillard nous dit que la réalité est une imposture, ou encore que la réalité en général est trop évidente pour être vraie, on voit bien qu'il pose des questions qui sont finalement peut-être encore plus profondes et qui ne se limitent pas à cette supposée domination du numérique que l'on active justement performativement en l'énonçant comme telle de manière incontestable. Autre citation, on peut vivre, qui est magnifique, on peut vivre et survivre avec le monde réel, avec le principe de réalité. C'est ce que nous faisons d'une certaine manière, mais c'est beaucoup plus amusant de faire le pari que la réalité n'existe pas. Si on fait l'hypothèse que la réalité n'existe pas, alors tout change, c'est fantastique. Je suis assez d'accord. Ou encore, autre citation assez délicieuse, pourquoi n'y aurait-il pas autant de monde réel que de monde imaginaire? Pourquoi n'y aurait-il qu'un seul monde, etc.? Pourquoi une seule exception? C'est aussi toutes ces questions, je pense, qui doivent nous animer face aux écrans ou sans les écrans, face à la lecture de son œuvre. Et comme dirait Edgar Morin à propos de Baudrillard dans un texte qu'il avait écrit il y a quelques années, en lisant Baudrillard, mon sentiment va du dingue au génial. Et voilà, et du coup, juste pour qu'on... Enfin, rapidement, si on a assez de temps, genre une minute. Ou on oui, a une déjà minute, trop... c'est parfait. Et puis après, c'est Magali qui prend la parole. Merci. D'accord, mais du coup, ce qu'on disait juste dans cette... ce qu'on aimait dans la dimension prophétique de la pensée de Baudrillard, c'était aussi... Enfin, d'après... Là, c'est plutôt moi qui parle, mais son ancrage sémiologique que je trouve qu'il est assez peu exploité encore par ses exégètes. Et du coup, cette question du rapport à la réalité qui n'est pas seulement... qui ne peut pas être que réduite à la virtualité, au numérique, mais la volonté d'ouvrir à une dimension anthropologique quant à l'interprétation des images... qui, comme tu disais toi, Marine, tout à l'heure, attends, j'ai noté la phrase exacte, ne veulent pas être commentées. Et en fait, on se dit, c'est assez beau, les questions que ça ouvre, mais peut-être j'avance un peu sur la suite de la discussion, mais comment est-ce qu'on échappe à ces questions de contrôle? Qu'est-ce que c'est que... Enfin, désolée, j'avance, j'ouvre peut-être par rapport à la suite de... Qu'est-ce que c'est qu'aujourd'hui le rapport à la société écranique pour nous? Et qu'est-ce que ça pourrait être des images qui ne veulent pas être commentées? Est-ce qu'il en existe encore? Est-ce qu'il y a des écrans qui peuvent disparaître en étant là? Et du coup, on avait envie de revenir aussi, enfin de rappeler aussi nous, parce qu'on s'est intéressé, ces interrogations, les interrogations obsessionnelles de son œuvre qui perdurent au-delà du numérique et qui sont qu'on pourrait résumer par se demander chaque jour si le soleil va se lever. Et du coup, je le cite, Jean Baudrillard, on nous informe de sources sûres que selon les données de toutes nos agences, le jour ne s'est pas levé ce matin. Il est maintenant 10h15 et le jour prévu pour 7h30, heure solaire n'est pas encore là.
Du coup, on se disait, mais il y a un renversement qui est lorsque le monde et sa simulation seront absorbés dans leur décombre, lorsqu'enfin peut-être les humains se seront absentés de la Terre et qu'il ne restera que des animaux, les moins nobles, les cafards et les rats, et qu'ils investiront les data centers, j'imagine, non pas qu'ils regarderont des images, mais qu'ils passeront indifférents devant l'invention de la réalité, devant des diaporamas en boucle issus de groupes Facebook de Nurshi, que bon, je regarde beaucoup. Et alors, dans cette absurdité d'absence de regard, dans une forme de délabrement d'images amnésiques scellées dans l'incertitude sans regard, enfin dans l'absence de simulation du monde, alors peut-être on reviendra à l'échange fatal dont il était si friand. Et bref, enfin, cette question de est-ce qu'on peut arriver, obsession baudrillardienne, à une exténuation des formes? Et est-ce que cette exténuation des formes, c'est une manière de venger un peu, peut-être justement, ce surgissement des écrans? Voilà, c'était un peu ça les questions qu'on se posait en ouverture conclusive. Voilà. Quelle ouverture conclusive? Je ne sais pas comment je vais faire après tant d'intelligence et de fantaisie, mais merci beaucoup à toutes les deux. Merci à vous cinq. En fait, on avait une autre question, mais on se rend compte que le temps tourne, qu'on est à 10 minutes de la fin, c'était la question autour des écrans, mais quelque part, vous les avez tous et toutes répondu chacun à votre manière. Luc, sur la limite de la communication écranique. Chiming nous a rappelé en fait cet aphorisme de Baudrillard, mais qu'on retrouve sur l'écran, sur la photographie, sur l'objet, en fait, que c'est l'objet qui nous pense. Donc, c'est quelque chose qui quelque part a été traité. On se disait avec Katharina, parce qu'en même temps, on s'envoyait des petits messages, ça serait peut-être bien de laisser la parole, peut-être une ou deux questions qui sont directement adressées aux uns et aux autres, parce qu'on pense que c'est important aussi, même si on est beaucoup, que le public puisse se dire son mot. Donc, si vous êtes d'accord avec ça, je vais laisser la parole au public. Marine, je pense qu'elle, Marine, lève la main. Il faudrait ouvrir le micro, super. J'aimerais revenir sur la deuxième partie du travail d'Emmanuel, parce que c'était quelque chose qu'elles avaient beaucoup travaillé. Donc, on pourrait avoir une petite, un petit rab. Une minute. On est très dur avec Katharine. On est obligé de tenir les temps à 2 heures. À 2 heures, on se quitte. Non, en fait, c'est parce qu'on est en train d'expliquer, pour vous tout vous dire, hein, c'est pas grave, les coulisses. On est en train de dire à Marine qu'on avait préparé du coup une deuxième question, donc Marine voulait nous entendre puisqu'on avait fait une sorte de teasing, on n'avait absolument pas lu ce qu'on avait écrit, donc c'est pas grave, je vais essayer de réduire au minimum, j'ai déjà gâché 20 secondes. Alors, l'expression écran total m'évoque un mélange un peu nauséabond de surveillance et de pulsion scopique inconditionnelle et indifférenciée, une convergence entre la vision et la détection dont on peine à échapper, qui montre bien combien le regard est toujours une manière de politiser le visible. Un peu comme si on était constamment poursuivi par une pornographie de l'image et qu'on était contraint nous-mêmes d'endosser la posture de pornographe continuelle du visible. On n'est plus du tout dans l'œil et l'esprit de Merleau-Ponty, pour qui on habite le monde en voyant et en étant visible, hein, cette dialectique de voir et d'être visible comme deux facettes miraculeuses de la présence. Mais par ailleurs, peut-être est-ce que je vous dis tout ça parce que j'ai une profonde nostalgie des temps pré-écraniques, qui, comme toute nostalgie, reste une affabulation subjectivante du monde. Jean-Sébastien Hardy, qui est un philosophe qui a travaillé sur cette question, utilise la belle formule d'Yves Bonnefoy, la volonté de présence, qui m'a fait penser à ce que Luc Courchesne tout à l'heure disait, il parlait de l'être au monde, ça m'a fait penser à la volonté de présence d'Yves Bonnefoy, c'est-à-dire quelque chose du coup de l'ordre du fantasme d'une vie sans écran couplé à celui d'une volonté de présence. Un fantasme peut-être d'autant plus fort qu'on associe l'écran aussi beaucoup à l'idée de contention et de captivité. Et comment résister? Du coup, je m'arrêterai là. Simplement, deux suggestions. La première, c'est une cape d'invisibilité à la manière d'Harry Potter et en parallèle, mettre en place des écrans autophages. Ah oui, c'est vrai. Voilà. En fait, c'est vrai qu'en fait, dans la deuxième partie, on a pensé que comment est-ce qu'on pouvait résister aux écrans. Oui, c'est ça. On pensait à résister aux écrans. Mais... Et je pense que déjà, le travail qui a été évoqué aussi justement par Luc Courchesne était pour moi quelque part une forme de résistance ou en tout cas de réappropriation de... dans la résistance, qui était hyper intéressante. Enfin, voilà. Merci beaucoup à toutes les trois, à toutes les deux. Ce que l'on propose, en fait, très simplement, parce que le dispositif est quand même... là, on est moins de... Vas-y, Magali, tu veux... J'ai l'impression que Chiming voulait dire un mot. Ah, pardon, je n'avais pas vu. Ou est-ce que j'ai rêvé? Non. J'ai cru voir une main, mais peut-être que je me suis trompée. Oui. Oui, c'est ça. Donc,
faut que tu te... Ouais, c'est ça. Ok, oui. Je vais aussi dire quelques mots sur l'écran, parce que c'est aussi pour rendre hommage à Marshall McLuhan, qui est important pour la pensée, aussi pour la compréhension de pensée de Jean Baudrillard. Il y a même un temps, Baudrillard et Jean est considéré comme une sorte de McLuhan de notre temps, ou de son temps. Effectivement, je pense qu'il y a une sorte d'affinité entre les deux. Mais important, c'est que l'écran, pour moi, il y a trois choses. Si on peut dire, c'est trois parties, trois éléments. Premièrement, l'écran n'est pas seulement... on peut souvent considérer l'écran comme une surface où on peut faire la projection, on peut projeter des images. Mais ce n'est pas seulement ça. L'écran, c'est aussi un panneau de séparation qui est important pour notre temps de confinement. Dans le confinement, on est une sorte entouré par l'écran, mais même s'il n'y a pas d'image. C'est une chose, je pense, importante de dire. La deuxième chose, l'écran, c'est aujourd'hui, ce n'est pas exactement un écran de projection. C'est un écran de scan. L'image n'est pas projetée sur l'ordinateur, sur la télévision, sur le portable, sur le smartphone, etc. C'est scan, c'est comme le radar. C'est une sorte d'image en temps réel. Donc, sur ces trois idées des écrans, chacun a sa fascination, a sa attraction, parce que dans l'écran, comme séparation, on est une sorte de protégé. On est protégé du monde, hein, comme aujourd'hui. Mais maintenant, on est séparé du monde, séparé de l'extérieur, séparé du regard des autres. Dans l'écran de projection, bien sûr, il y a projection comme dream work, comme le rêve, mais aussi une sorte d'identification, une sorte de processus d'identification. Et dans l'écran de scan, qui est beaucoup plus problématique pour moi, c'est que dans le scan, il y a bien sûr cette interaction dont Jean parle beaucoup de l'idée en temps réel. On a une sorte de sensation, un sentiment de pouvoir, de tout pouvoir faire parce qu'on peut agir sur l'image. Aujourd'hui, pas touché hein, sur le smartphone, etc. Et maintenant, scan, c'est aussi... aujourd'hui, l'écran n'est pas seulement image. L'écran, c'est aussi, comme Deleuze dit dans la société de contrôle, c'est aussi un équipement, hein, un dispositif pour collectionner des données. Donc, c'est avec l'écran, surtout avec smartphone, on est collectionné comme un donné, hein, comme un data. Je pense que là, c'est là la problématique, la partie problématique. Donc, à la fois, on se sent, mais en même temps, on est collectionné, hein, comme justement un numéro, comme un data dans ce monde. C'est mon idée, petite idée sur trois sortes d'écran. Voilà. Merci, Chimine. Je vois Luc qui hoche la tête. Je voudrais rajouter une courte réflexion sur l'écran, Luc. Et puis, après, on pensait avec Magali pour celles et ceux qui doivent partir, pour en partir, mais on pourrait rester après en petite discussion sans enregistrer, etc. Pour celles et ceux qui souhaitent après poser des questions, vu que c'était un peu, timide tout à l'heure, les questions. Mais peut-être, Luc, tu voudrais rajouter quelque chose? Oui, mais pour enchaîner sur Shiming, là, c'est vrai que on a fait éclater l'écran. Il n'y a plus un écran, il n'y a plus l'écran, il n'y a plus le cadre du tableau, il n'y a plus le cadre de l'ordinateur ou du tableau ou de notre téléphone. Il y a des millions d'écrans autour de nous, des écrans qui nous regardent autant qu'on les regarde. Donc, nous sommes en immersion. Nous sommes en immersion dans une société qui fabrique de la réalité. Et puis, c'est encore plus difficile aujourd'hui de reconnaître ces fabrications. Un poisson, il ne sait pas qu'il est dans l'eau tant qu'on n'a pas sorti le poisson de l'eau. On est comme des poissons dans l'eau. On est dans un médium dont on ne voit pas les limites.
Puis je me mets maintenant, moi qui étais un apôtre de l'immersion, qui a voulu, comme on est en immersion dans la vie, se mettre en immersion comme artiste dans des images ou dans des mondes concrets, je commence à rêver peut-être de recadrer la réalité, simplement pour s'assurer qu'on comprend que l'immersion est un piège, en fait. Peut-être qu'après ça, on pourrait y retourner, mais il y a eu un colloque à Toronto organisé par Louise Poisson il y a une dizaine d'années sur la prolifération des écrans, et on n'a pas fini de parler de ce sujet-là. C'est un sujet important et c'est un sujet central pour préserver notre humanité. Et puis, je salue vraiment l'initiative d'Écran Total. On a besoin de Baudrillard aujourd'hui. Je ne sais pas comment on va la revivre. Là. Il y a des auteurs ici qui vont pouvoir peut-être poursuivre dans sa lignée, mais son intelligence nous manque beaucoup. Merci beaucoup, Luc. Merci beaucoup, Luc. Merci à tous et à toutes.